Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode de Jouons à Stranded Deep. Alors, vous l'avez compris, jouons à, donc c'est comme la traduction française pour Let's Play. Et j'ai dans cette formule-là, en fait, dans cette mini-série, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la même méthode que j'ai utilisée pour cours de Minecraft Descente aux Enfers, c'est que je vais enregistrer 4 épisodes de 12 minutes. Ouais, des crabes, donc source de nourriture assurée. Donc je vais enregistrer one take. Qu'est-ce que c'est ça? Ça va te donner peur. En one take, une shot, en une prise, en une séance d'enregistrement. Je vais faire 4 épisodes d'environ 12 à 15 minutes. Puis je vais voyons voir qu'est-ce que ça va donner au bout du compte. J'espère que ça va être intéressant. Si ça ne l'est pas, peut-être que je le uploaderai même pas sur YouTube. Peut-être que oui. Puis vous pourrez en fait commenter pour me dire si vous aimez cette formule-là ou non. Donc là, on a des épaves tout le tour. C'est super. Mais le problème dans Stranded Deep, c'est que là. Ah oui, d'ailleurs, il y a eu un update cette semaine. Donc il y a des petites choses nouvelles. Donc ils ont dit qu'il y avait des nouvelles options de construction. Il y avait aussi un paquet de bugs fixes. J'espère, parce que l'autre fois dans mon autre game, j'ai tué un requin, puis genre ça a été ultra tough, là, ultra long, puis le requin quand il est mort, il a comme s'il m'est dérivé, puis il a rentré sous la terre. Parce que le requin, c'est une excellente source de nourriture, selon le Stranded Deep Wiki, et oui, il y en a déjà un, si le jeu est même pas terminé, il y a déjà un wiki. Donc, c'est ça. Et les requins sont vraiment fatigants, là. Il y en a comme trop. T'sais, dès que tu vas dans l'eau, il y en a un requin. Presque immédiatement. Là, il te mord, puis là, tu saignes. Puis quand tu saignes dans l'eau, ça attire plus de requins. C'est tout pour aller bien. Ah, ici, ça. C'est quand même une belle place pour s'installer. Ouais, fait qu'on va mettre. Je vais mettre mon stock ici. T'sais. Fait que là, on est rendu à 5 roches. Ça va, t'sais, évidemment, dans ce jeu-là, il y a aussi la difficulté de trouver des roches. T'sais, on est sur une plage. C'est n'importe quoi, c'est une île déserte. C'est des roches pour. Mettons des roches qui seraient faites pour vraiment se tailler, pour se faire des outils. Je peux comprendre qu'il en manque. Attends un peu, je vais prendre une petite gorgée de bière. Et oui, en fait, là, on est le 25 mars. Il est 9h15 le matin. Et je bois de la bière. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? C'est parce que je travaille de nuit. Donc pour moi, là, il est tard. C'est pour ça que je suis un peu fatigué. Parce que je suis pas tout à fait habitué de travailler de nuit encore. Mais je me suis dit, tiens, je vais enregistrer un let's play. Let's play Stranded Deep. Stranded Deep. Puis bon, je vais voir qu'est-ce que ça va donner dans mon état. Ça va mieux, ça va beaucoup mieux que la première nuit. Et surtout que j'ai réalisé que j'étais capable de dormir, moi, le jour. C'est quand même un avantage assez avantageux. Non, un très gros avantage. Et là, c'est pas pire, on trouve pas mal de roches. Pour les gens qui travaillent de nuit et qui sont pas capables de dormir le jour. Mais je me suis acheté des bouchons. Ça aide. J'entends plus rien. Ce qui fait que quand, mettons, genre, je sais pas, moi, il y a le propriétaire qui arrive avec son pick-up, j'entends pas. Quand il y a la voisine qui décide de mettre de la toune puis que t'entends juste la bise, mais je l'entends pas. Fait que puis je me suis mis un masque sur la tête. Fait que mon corps lui est sûr c'est la nuit. J'ai fait à croire à mon organisme que c'est la nuit. Fait que comme ça je peux dormir. Fait que là c'est la troisième nuit que je fais. Puis là demain nuit. Ben en fait pour vous c'est ce soir, pour moi c'est demain. Parce que c'est hot. Parce que la nuit là. Moi, finalement, j'aime bien ça. C'est que l'avantage de la nuit, c'est que c'est pas. En réalité, on pense que ceux qui travaillent de nuit, ils travaillent tard. Mais en réalité, c'est pas ça. Quand tu travailles de nuit, tu te rends compte que tu travailles pas tard. Tu travailles ultra de bonne heure. Tu es avant tout le monde. Tu sais, comme moi, là, je suis déjà le soir, c'est le matin. Fait que c'est pour ça que j'aime ça. Puis c'est plus relax aussi. Beaucoup plus relax. Bon, assez parlé de travail de nuit. Reprenons un peu notre histoire. Fait que là, donc, pour survivre, on a besoin, donc les besoins de base de l'être humain. Besoin numéro 1, oxygène. C'est bon, on est sur Terre, ça va bien. Besoin numéro 2,
Un requin, ça, il est déjà là. Besoin numéro 2, c'est de l'eau. On en a. Besoin numéro 3, de la nourriture. Fait que là, on va regarder. On avait vu des crabes tantôt. Il y aurait le requin, mais on est comme pas assez guéri. Ça a l'air que dans ce jeu-là, on peut trouver. Ah, des crabes, ouais, c'est ça. Ça nous prend un outil pour les ramasser. Non, je pense que je pourrais les ramasser avec mon couteau. Ça, on va s'en prendre un gros. Cool. Ah, je peux faire ça avec mon couteau. Je pensais que ça ferait absolument une genre de lance, là. Tiens, on va s'en ramasser. 3. Fait que là, bon, on a de la nourriture. Ensuite de ça, l'être humain a besoin de chaleur, donc des vêtements. Comme celle-là, on a l'air juste d'être une main avec un couteau. Fait que ça, pour ça, ça va bien. Ah, il y en a là-bas. Faire des cordages, on va aller se ramasser ça. D'ailleurs, ce qui est nouveau aussi dans le jeu, c'est un petit effet sonore qu'il n'y avait pas avant. Donc, la chaleur, donc ça va être. D'ailleurs, pour ce qui est de la chaleur, on est quand même gâté parce qu'on est sous les tropiques. Ce qui fait que sous les tropiques, la chaleur, ça va quand même bien sur ce côté-là. Mais on va quand même se faire un feu pour se faire cuire la nourriture. Bon, fait que là, pour se faire un feu, ça prend plus de. En fait, je suis plus capable de faire. Campfire. Ok, fait que là, où c'est qu'on va le mettre? Ouais, ici, ça va quand même être notre, notre base. On va mettre un feu direct dans le milieu. Boum. Puis, on a besoin de 6 roches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis, il nous en reste quand même 3. Oh, j'en ai pris une de trop. Tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fire pit! Wouhou! Puis là, on peut se prendre 1, 2, 3, comme ça. C'est ça que je vous parlais dans le. C'est pour ceux qui ont vu l'autre vidéo marquant Essay Stranded Deep, c'est ça que je parlais, c'est le Fire Pit. Clic. Fait que là, ce que je peux faire, je vais pouvoir faire cuire mes crabes. Oups. Ah, ça c'est nouveau aussi, c'est ça, faut que je laisse peser plus longtemps. Fait que là, ce qu'on fait, on prend notre main, on prend le crabe, puis. Oh non, merde, je l'ai mangé. Puis là, je suis malade. Fallait que je laisse peser. Là, ça fait quoi? Je vais te revenir correct? Faudrait que je prenne des Tylenol ou du. Voyons, du Pepto-Bismol. Donc là, on va pouvoir avoir des crabes. Puis on va se faire une. Ah non, j'ai fait la même affaire. J'ai fait la même affaire que l'autre fois. J'ai oublié de me garder un bâton pour me faire une hache. Donc, il va falloir encore que je bûche un arbre avec mon couteau. Et pour la deuxième fois, Marc-André a oublié de se faire une hache. Il doit d'abord bûcher un arbre avec un couteau. Imaginez-vous comment ça serait long, bûcher un palmier avec un canif. Tu sais, t'es pogné dans. T'es pogné sur une île déserte, tu t'oublies de te faire une hache. Quoique, c'est le genre de choses. Ben, dans le fond, ces jeux-là. T'es pas sur une île déserte, ouais, il faut que tu te fasses des outils. Mais de là, dans Stranded Deep, l'idée d'aller sur les épaves pour se trouver. Ah, vous avez entendu, peut-être pas parce que ça fait le même en même temps que quand j'ai le bruit de l'arbre qui casse, mais ça, on a comme entendu un ting, ça veut dire que les crabes sont prêts. Puis là, vous voyez, tantôt j'ai été malade parce que je l'ai mangé cru. Là, c'est cooked crab. Puis en plus, ça va nous donner des noix de coco aussi. Ils sont. Hey, ça m'agane mon couteau. C'est vraiment pas une bonne idée de pas se faire de hache, tout important, en tout cas. J'ai encore oublié. Ça va peut-être le manque de. Mais quoi, j'ai pas vraiment de manque de sommeil. Hier, je me suis couché hier matin à 10h30, puis je me suis réveillé à 5h30. Ça fait quand même 7 heures de sommeil. Je suis en masse. Puis j'ai vraiment pas de misère à travailler. Fait que j'ai pas de manque de sommeil. C'est sûr que j'ai eu un manque de sommeil la première nuit. Là. Bon, j'avais pas. Il me restait pas du. Ah, c'est ça, il en reste un ici. Fait que faut que je prenne ça. Fait que la hache, c'est ça. C'est une roche, un bâton, puis un cordage. Crude axe. Le marteau, ça va être pour construire, mais ça va être un petit peu plus tard. C'est sûr, les options de construction sont pas
extrêmement développé dans le jeu pour le moment. Là. Mais quoi qu'ils disent que dans l'update, ils en ont ajouté des nouveaux. Fait que. On va voir en temps et lieu. Je sais pas si je vais avoir le temps de me rendre en 4 épisodes. Là, on va s'en préparer d'avance. Des noix de coco. Donc là, ouais, ce qu'on va faire en deuxième, c'est se faire un lit pour pouvoir skipper la nuit. Donc là, mon feu, ben, je perds du bois, mais c'est pas grave, j'ai quand même beaucoup d'arbres, ce style-là. Sur mon autre game, là, je me suis fait quand même un petit abri, puis ça a pris toutes les arbres. J'avais plus d'arbres sur l'île, c'était terminé. Fait que pour se faire un lit, il me semble que c'était. J'avais besoin de ça, des feuilles de palmier. Ah, il y a un crabe qui s'en vient. Ça, c'est hot quand il y a des crabes, ça fait. T'as vraiment plus de problème de nourriture, tu bouffes du crabe tout le temps. Quoi que moi, je serais un peu malheureux parce que j'aime pas le crabe. Voyons, Marc-André, tu viens du Bas-Saint-Laurent, t'aimes pas le crabe? Non. J'aime le poisson, madame, j'adore le poisson, mais j'aime pas le crabe, ça, je te dis. Puis c'est pas à défaut d'avoir essayé, là. Ah, c'est pas pire, il t'a dit quand tu peux faire quelque chose, t'as comme 3 petits points, pis là. Juste un. Ah, ça me prend 4. Ah non, je pourrais pas passer la nuit. Ça me prend 4 cordages. Moi, sérieusement, je pense que j'enregistrerai pas pendant la nuit parce que, premièrement, vous verrez absolument rien. Puis, c'est ça, vous allez voir absolument rien, vous allez juste m'entendre parler. Quoi qu'on pourrait se conter des histoires sur le bord du feu. Ah, voyons. Ah, ça doit être nouveau dans l'update, ça, parce qu'avant ça, quand tu pesais sur C, il restait assis. C'est terminé. Ouais. Bon, fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Bon, ok. Faut réfléchir un petit peu. Ce qu'on va faire. On peut pas se faire de lit. Fait qu'on pourra pas skipper la nuit. Fait que je pense que je vais faire, c'est que là, de toute façon, le soleil se couche. Fait que ce que je vais faire, c'est que pendant la nuit, là, j'irai pas explorer les épaves sans vous, mais je vais quand même skipper la nuit parce que ça, la nuit, vous verrez rien sur YouTube. Quand le programme, YouTube doit comme. Je sais pas c'est quoi le mot, là, compresser ou optimiser, ou. Je sais pas c'est quoi le mot. En tout cas, il fait quelque chose pour que les vidéos fitent bien à tous les écrans, que tu écoutes ça sur ta tablette ou sur ta télévision ou sur l'ordinateur. Puis ça fait que, pour une raison, c'est plus sombre. Fait que je vais être obligé de skipper ça. Mais, c'est pas grave. De toute façon, là, l'épisode est assez long. Je vais couper ici. Ça, c'est des patates. Ouh, des patates. Sur ce magnifique coucher de soleil. Sous le soleil. Donc, des tropiques. Fait qu'on se revoit demain matin. Moi, je vais passer une nuit blanche. Quoique, je suis rendu habitué. Mon bonhomme aussi, il travaille de nuit. Comme moi. Puis, dans le prochain épisode, nous allons explorer ces deux épaves-là et tenter de ne pas se faire bouffer par les requins par la fin même. Donc, merci d'avoir écouté ce premier épisode de Jouons à Stranded Deep. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, mettez-le dans les commentaires. Sinon, aussi, si vous voulez que. Si vous trouvez ça pas intéressant. Mettez-le aussi dans les commentaires. Moi, ça me dit un peu, ben, je vais arrêter de faire ça, tu sais. C'est juste que les let's play, c'est facile pour moi. Je paye sur record, j'enregistre pendant une heure, et voilà, j'ai 4 épisodes de près. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne journée, bonsoir et bonne nuit, et à la prochaine! Là, si c'était cours de Minecraft, vous entendrez... Salut!